doit être 11h, quelque chose comme ça. Je monte dans le bureau pour monter le vlog du jour, pour bosser un peu, pour faire plein de choses. Donc c'est parti mon kiki, j'attaque. J'espère que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé pour vous, que tout va bien. Allez go. Un peu de boulot, ça va faire du bien. Vidéo montée, elle est en train de s'uploader sur le PC, après je la mettrai en ligne sur YouTube. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là je suis en train de travailler, j'ai fait la demande d'aide de l'État pour la société. Je suis en train de faire mon papier remise de chèque pour le comptable, enfin voilà, je bosse un petit peu. Bon voilà, j'ai fini pour l'instant, j'entends Chéri qui est en train de faire son petit déj, donc je vais aller me faire un petit café. Plus de jus d'orange ce matin, donc j'ai fait mon jus d'orange maison, un filet d'orange, ça donne ça. J'ai mis dans cette bouteille là et pas dans ma bouteille en verre de d'habitude, je vais vous montrer pourquoi. Donc celui-là déjà, il va aller au frais, hop, pour les prochains matins. Et en fait ma bouteille, j'ai un gros souci avec, c'est-à-dire que le goulot est très petit, voilà. Et à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, je vais me retourner pour vous montrer, ça ira là, vous voyez, à l'intérieur ça fait ça. Et j'arrive pas à l'avoir, et à force je me dis que j'ai essayé de mettre du vinaigre blanc, j'ai essayé avec du bicarbonate, ça ne s'en va pas. Vous voyez, ça fait des traces blanches dégueulasses, et je me dis que c'est pas trop cool quoi. Donc je ne sais pas trop comment faire pour avoir cette bouteille. Si vous avez des idées, ben, n'hésitez pas à me dire. Je ne mets plus là-dedans, donc si vous avez des idées, on me dit, on verra bien ce qu'on peut faire. Voilà, je vais aller mettre ça à la poubelle, les oranges, et puis voilà. Chéri est en train de s'occuper de finir l'escalier, donc de vitrifier les marches. Il fait pas très beau aujourd'hui. Mais bon, ouais, j'étais obligée de sortir le bouquet de lilas parce que ça me... Elle m'incommode en fait l'odeur. J'adore l'odeur du lilas, mais je dois vous avouer que dans la maison c'est trop fort en fait. Hop, voilà. Il y a une doudou. Une doudou. Non, on m'attaque pas. Regarde, prends la baballe. Oh, c'est pas possible. Tiens, regarde. Hop, elle va chercher la baballe. Non, c'est m'attaquer quand même. Bon, bah. Il est où le frisbee? Donne le frisbee à maman. Allez. Va chercher le frisbee, il est où? Cherche après le frisbee. Et voilà, elle est partie au fond. Je vais pouvoir rentrer à la maison. Faut que je me dépêche sinon elle va me bourrico. Bon ben voilà, jus d'orange fait, il n'y en avait plus. Tu fais? Je m'en apporte. Oh, carrément. Allez. On est tâché. Tu fais engrais aussi, bah écoute, c'est bien, ouais, nickel. Il en reste. C'est vrai que la porte elle était pas très propre. Je sais pas, ça fait bien. Ça fait mieux, on va dire. Ouais, c'est clair. Mais vous voyez, c'est là que je voulais mettre un lustre. Mais j'en ai pas. Coucou, comment allez-vous en ce mardi? Il est 13h35, je vais éteindre le journal. Chéri vient de partir faire les courses, il m'a dit c'est les dernières que je fais. Donc oui, après il y a la reprise du travail et tout, enfin voilà. D'ailleurs il va reprendre normalement un petit peu le travail demain après-midi, petit à petit, parce qu'il y a des appels qui commencent à arriver, donc voilà. Là aujourd'hui au programme, donc c'est course, ensuite il faut qu'il finisse les escaliers et on va également nettoyer la cour. Bon, normalement le temps se maintient. Les escaliers, bah écoutez, ça va. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Une grosse mouche, j'ai eu peur. Quelle clochette. Les escaliers, ça avance plutôt bien. Je vais vous montrer rapidement, mais on voit pas grand chose en fait avec le. Voilà, donc la peinture, je sais plus si vous avez montré, la peinture grise a été faite, donc c'est la même que les portes. Et on a donc vitrifié les marches qui étaient brutes de chez Brut, voilà. Les murs ont été peints en blanc cassé. Donc voilà, ça donne quand même quelque chose de beaucoup plus sympa. Pour celles qui me suivent, que je vous avais montré avant, ça donne quand même beaucoup, quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc là, il reste juste la dernière couche de vitrificateur à faire, qui va être pas mal, je pense. Et à raccrocher la barre...
La barre, on a une grande tringle à rideau en fait qu'on se sert comme barre pour descendre et monter parce que c'est un peu raide. C'est un escalier de meunier que l'ancien propriétaire avait posé, mais il est très très raide. Dans ce sens-là, c'est mieux. Ça fait 17 ans qu'on est là et ça fait 17 ans qu'il n'y avait rien eu de fait sur cet escalier parce qu'on n'y va jamais là-haut. J'ai lavé le rideau qu'on met devant le truc pour... Qu'on met devant pour... Oh, c'est quoi cette lumière? Voilà, c'est mieux. Qu'on met devant pour l'hiver et tout parce qu'en haut on chauffe pas. Donc voilà, d'ailleurs j'ai mes cheveux blancs qui commencent à revenir, donc c'est bon signe, je vais pouvoir refaire ma teinture. Oui, ça fait un mois et demi que je l'ai faite, donc ce sera à faire. Là ce que je vais faire, c'est que je vais monter dans le bureau parce que j'ai quelques petites choses à faire. Le temps que chéri fasse les courses, ce sera très bien. Et puis après, bah, j'attaquerai avec lui les petites choses qu'on a à faire. Bon, quelques petites choses niveau pro, c'est fait. J'ai imprimé l'attestation de sortie professionnelle de mon mari. J'ai remis un peu d'ordre dans le frigo pour accueillir les nouvelles courses. Il est 14h33, très exactement. Refait le lit, mets une lessive en route, enfin voilà, plein de petites choses. J'ai fait plein de petites choses. Voilà. Et là, ben, j'attends. J'attends patiemment que mon chéri rentre. Voilà. Je pense que ça va être d'ici une demi-heure à peu près. À peu près toujours le même temps, chéri, quand il fait les courses. Bon, bah écoutez, je vous reprendrai après. En attendant, plein de bisous. Même là, en mode tenue de travaux, on va aller nettoyer la cour. Donc, on va enfiler les bottes et tout. Tenue c'est pas originale. Allez, je vous montre. C'est déjà, il y a la doudoune, mais bon, enfin la moumoute là, mais ça va. Bah, c'est le reste. Il y a le jean et les bottes roses. Ouais, bottes roses Décathlon. Elles sont bien, hein, mais d'ailleurs, mais j'ai un peu de mal à passer mon pied dedans, mais elles sont bien. Faut qu'on ait dedans, on est dedans. Donc, voilà. En fait, on a nettoyé toute la cour au Karcher. Ouais, on a nettoyé toute la cour au Karcher parce qu'il y avait il y a de la mousse, il y a des saletés de tout et de machin. Et la fois, mon mari s'était mis à terre et il en avait plein le dos. Donc, du coup, on a tout nettoyé, tout passé à l'eau. C'est propre. Voilà. Il fait pas très très chaud. Enfin, il fait pas très très beau. Ce matin, ça allait, mais là, c'est pas terrible. Bon, il y a 15,8 quand même. C'est pas non plus extraordinaire. Terrible. Bon, je vais aller enlever mes bottes et je vous retrouve dans la maison. Il est 18h quand même. Bon, sinon, on a fait les courses. Enfin, Chouchou a fait les courses. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer comme plat cette semaine? Je vous montre rapidement dans le frigo. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons de la viande hachée comme ça. Enfin, de la viande hachée, n'importe quoi. Des escalopes de dinde très fines pour faire avec le boursin. Très très bon. Des petites tartelettes fromage pour moi le midi, du jambon, il y a des sandwichs pour chéri, je vous expliquerai pourquoi après. Il nous a pris ça. Ensuite, nous avons des nems, il a encore pris des nems, c'est un fan à nems, un prix fou, toujours un prix fou quand mon mari fait les courses. Là-dedans, il y a de la viande, il y a un filet mignon pour faire avec du roquefort qui est là derrière. Il y a des steaks hachés et il y a des saucisses et des merguez. D'ailleurs, il faut que je passe ça au congélateur. Une pizza, la crust comme ça, à viande hachée, elle est trop bonne. Il m'a pris également des concombres à la crème. Il a repris des crèmes brûlées riant, des Mont Blanc pralinés, chocolat praliné, des yaos, donc les yaourts grecs là. Une bûche de chèvre. Qu'est-ce qu'il a encore pris? Du jambon. Puis après, c'est des choses qui sont haricots verts, petits pois, non c'est dans l'autre sens, mais vous m'avez compris, de la crème semi-épaisse, il a pris un fouet, pas pour me frapper, hein. fouet, je sais pas comment on dit, fouette, bref, ça c'est trop bon, la recette catalane, du pain au maïs, c'est trop bon du pain au maïs, qu'est-ce qu'il a encore pris? Du chocolat, oui le chocolat on n'en avait plus, donc il m'a repris celui-ci, le Nestlé chocolat, c'est celui qu'on préfère. Je mettais là parce qu'il en est accro. Et la semaine dernière, il avait pris ça. J'avais demandé de me prendre ça. Petit pot de crème comme ça, Alza. Celle-ci, elle déchire. Elle déchire tout, c'est trop bon. Et là, cette semaine, j'avais demandé d'en reprendre. Il m'a pris la Ancel saveur vanille basique et saveur framboise. Alors, 4 sachets de 5 parts. Ouais, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est cool. On a ça pour faire des petits desserts. Donc le filet mignon, je vous ai dit, je vais le faire avec une recette Cookéo au Roquefort. Les escalopes de dinde ultra fines, je vais les faire au boursin comme le veau dont je vous avais parlé une fois.
Et puis les steaks hachés, je sais pas encore, sûrement en burger puisqu'on en a, mais je vais les congeler, je pense, parce que je vais pas faire les burgers là, on en a mangé il y a pas longtemps. Donc voilà, des oranges à jus, des pommes de terre grenaille, une bouteille de pulco, de l'eau, du vin, du whisky, du jus d'orange, du lait, du vin blanc pour la cuisine, enfin, voilà, plein de choses comme ça. Voilà, voilà, puis des trucs pour le petit-déj et des trucs comme ça. Bon, bah écoutez, il est 6h moins 5, pardon, la journée est déjà bien entamée. Demain, journée un petit peu reprise, puisque chérie va reprendre le boulot l'après-midi. Et puis, bah, pour moi, ça va être des petites choses que je n'ai pas pris le temps de faire quand il était avec moi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, pour l'instant, je vous laisse. Et peut-être que je vous retrouve tout à l'heure, peut-être. Bon, bah ce soir c'est apéro. Voilà, parce que chérie reprend demain, on a décidé ce soir c'était apéro. Là je vais à la douche. Parce qu'après tout ça, une bonne douche s'impose. Et je vous ai pas montré mes super chaussettes. Mes super chaussettes. Attendez, je vous montre. Bon, j'avais mis un vieux jean que je mets plus parce qu'il est complètement détendu à ce niveau-là. Et voilà, mes bouches, bouche. Et maintenant, à la douche. Et voilà, douche prise et en mode de tenue de maison. Pull 10 fois trop grand que je mettais avant, hein. Mais là il est 10 fois trop grand, et puis un petit legging que j'avais vu sur Shein. Voilà, ça fait du bien la bouche. Après cette donnée comme ça, ça fait du bien. Bon, je vais mettre les saucisses, les merguez au congélateur ainsi que les steaks hachés, et puis ben après je vous montre un petit jeu que je fais tous les soirs sur tablette. Alors le jeu dont je vous parle sur le tablette, c'est celui-ci, c'est Design Home. Et en fait, j'adore ce jeu parce que c'est tout simplement pour... Bon, attendez, faut que ça se lance. Voilà, c'est comme ça. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos, mais c'est pas sûr. Vous allez tout simplement devoir... Designer des maisons, c'est-à-dire mettre des meubles et tout dans des pièces et tout. Et vous avez des buts, c'est-à-dire que dans certaines pièces, il faut un canapé de telle marque, etc. Franchement, il est cool ce jeu. Ça fait quelques années que j'y joue déjà. Et je vous en avais déjà parlé, je crois, dans une vidéo une fois. Et franchement, je l'adore. Il est juste génial. Ça me décompresse, ça me fait beaucoup de bien et j'adore ce truc de décorer des maisons et tout, et c'est plutôt sympa. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. En plus, c'est bien si vous vous inscrivez avec Facebook, on peut emprunter des meubles d'une personne à l'autre. Je crois que c'est un meuble par jour. Si vous voulez emprunter des meubles à d'autres quand vous ne les avez pas, on peut le faire. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, là je me pose. C'est encore les reines du shopping à la télé, mais je me pose pour voir d'ici 20 minutes Cyril Lignac pour sa recette du jour. Et ce soir, pour nous, c'est apéro pour fêter la reprise. Et puis... pizza viande hachée comme je vous ai montré tout à l'heure. Fêtez la reprise, j'y vais doucement, hein. C'est parce que chérie va travailler demain et qu'il peut aller travailler dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai que bah, on y va doucement quoi, ce sera peut-être pas des journées comme d'habitude avant. Là c'est une demi-journée au moins demain. Après on sait pas pour le reste de la semaine, de toute façon vendredi c'est férié. Puis la semaine prochaine bon, on verra bien selon les appels des clients et tout ça. Parce que les garages, tout ça, les concessions vont commencer à reprendre, donc on verra bien. On verra comment ça se passe. En attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Et bah, je vais conclure ce vlog puisque on est mardi soir et que normalement vous l'aurez demain soir. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.